とりあえず始めてみっか。よろしくな。 Alors, qu'est-ce que c'est que ça, moi, là? Je suis perdu. Paramètres peuvent être modifiés dans le menu Options. Nanana. C'est quoi, ça? Ouais, bon, de toute façon, soutien à la garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas, moi, tous ces trucs-là. Je veux... on y va vanilla, nous? On n'est pas des... Ils sont malades. Je veux rien, moi. Auto 100, voilà. Ok. C'est parti. Hey, salut à tous! Salut YouTube, comment vas-tu? Regardez-moi ça! Il est là! On connaît déjà le jeu! On a pris le gameplay, regardez, Rush du Dragon! Hop là! Hop, ascension, descente... regardez, on peut faire même une... Normalement, on peut faire une descente rapide. Voilà, montez... Hop, le petit dash... Hop... Hop, les parades avec Ron. J'espère que vous êtes chaud, en tout cas, il est enfin là. Le jeu le plus attendu de l'année, en tout cas pour ma part. Eh, normalement je peux me TP. Pourquoi il veut pas? Ah oui, regardez, hop. Oh, le contre. Oh, j'ai les feels! Oh oui! J'ai les feels! Il y a 17 ans, les gars! Les gars, 17 ans! Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que moi, là, je fais n'importe quoi, mais... On va se garde, voilà. C'est quoi, attends, Mathien? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Attends, maintien et attends pour contrer, encaisse une attaque pouvant être contrée. Ouais. J'ai pas compris. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ok, j'ai. C'est quoi ça? Attends, incline deux fois, conserve une règle. Ah oui, d'accord, c'est un petit contre, ok. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est, Vegeta?
pas grave, c'est DMC, mais c'est pas grave. Comment vas-tu, Coco? Comment tu vas, mon pote? Oui, je me suis bien. Je l'attendais. 17 ans. Action. Oh, regardez-moi ça! Baby, wow! Go on! Allez, Hiroge! Et on a les musiques! Go on! I don't say no for a man! Yare yare! J'en ai mis plein mon caleçon, c'est trop bien, c'est insane. Ça y est, la mimole, elle est présente, j'en ai vraiment foutu partout. Pourquoi il m'enregistre le jeu là? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Je veux pas ça d'enregistrement moi. Comment on enlève ça là? Au secours! Comment on enlève ça? Pourquoi il enregistre? Comment je fais là? Ouais, je m'en branle, on verra. Tu as terminé le didacticiel, félicitations! De l'action 3D toujours plus dynamique t'attend dans Dragon Ball Sparking Zero! Accède à Super Entraînement depuis Combat et Entraînement dans le menu principal pour tout apprendre à propos des diverses règles de combat. Visionner des démonstrations et t'entraîner à certaines techniques. Mes voisins vont péter un plomb, mais pas les couilles. Ça y est, nous sommes dans le menu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. YouTube, j'espère que tu vas bien. Enfin, il est là après 17 ans d'attente. La suite de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 qui est sorti initialement en novembre 2007 et nous sommes le 8 octobre 2024, 17 ans d'attente, il est là. Bien évidemment, nous avons pris l'Ultimate Edition, la totale, je l'ai pris deux fois, ça m'a coûté 240 balles, mais il y aura aussi sur PC pour pouvoir jouer avec les potos, tout ça. Ça va être trop bien. Sachant que vraiment le gameplay, j'ai remis en mode classique comme sur Budokai Tenkaichi ce qu'on avait. Et ça va être vraiment trop bien. Donc on a épisode et combat. Nous avons combat et entraînement. Oh, on a du Kaioshin. Oh putain, on a le commentateur du Budokai Tenkaichi. Oh, on a ses 17 ans. Oh, Teshinan. Oh, c'est trop bien. Et Gohan qui est là au premier plan. Ah, par contre, non, c'est pas Ultimate Gohan avec sa mèche là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont oublié, sa mèche. C'est terrible. Donc, nous avons défi émission. Oh, c'est Zeno! Avec Daikaishin, pardon. Et puis, bah, bien évidemment, les gardiens. Les anges. Hop. Le menu principal, donc c'est quoi? Boutique et personnalisation. Tous ces trucs-là. Alors, comme d'habitude, on va faire un premier tour directement. Oh, Videl, bouh, Monsieur Satan, on est chez Monsieur Satan, c'est trop bien. Oh. Le jeu de l'année, moi je vous le dis. Le jeu de l'année, invoquer Shenron, bien évidemment. Et invoquer Super Shenron. Donc on va pouvoir invoquer Super Shenron, d'ailleurs on va le faire juste après, mais avant, je veux les options. Ah bah elles sont là en bas à droite. Pardon, j'avais pas vu. Autant pour WAM. Voilà. Donc, commande et caméra déjà. Donc, joueur 1. Donc, oui, il y a bien sûr l'écran scindé. Le multijoueur en ligne. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Touche directionnelle classique, bien évidemment. Oui, parce que donc la touche directionnelle du haut, normalement, va pouvoir nous permettre de lancer l'attaque avec le triangle plus le L2. Oh là 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 là. C'est la dinguerie. C'est la dinguerie. Kazoo, comment vas-tu mon pote? Merci beaucoup pour ton raid, bienvenue à tous. Nous sommes sur Dragon Ball Sparking Zero qui vient de sortir il y a 16 minutes pile, 17 ans d'attente après Budokai Tenkaichi 3. Nous l'avons enfin. J'espère que vous allez bien, j'espère que ton live s'est bien passé. Vous étiez sur quoi? Dis-moi tout.
Ça va et toi? Ah bah moi, je suis comme un gosse. Voilà, ça fait 17 ans que j'attends le jeu. Il est enfin là. C'est trop bien. En plus, on a les musiques de l'animé. Bon, toutes mes VOD sur YouTube seront strike, mais incroyable. J'espère que ton live s'est bien passé en tout cas. Nous, on est parti pour, je pense, toute la nuit, peut-être même une bonne partie de la matinée, peut-être même une bonne partie de l'après-midi, peut-être même une bonne partie de la soirée, peut-être même 24 heures en fait. Yes, sur TCG Kart Simulator. Il est bien en plus ce jeu, il m'a donné envie quand j'ai vu tout le monde y jouer en vrai. Ça m'a donné bien envie. Donc bien évidemment, la langue audio en japonais, sous-titres en français. D'ailleurs, non, on a que français ou... Enfin, japonais ou anglais. C'est dommage, on n'a pas les voix françaises. Arrière-plan sous-titres, oui c'est bien, arrière-plan sous-titres événement. Non, on veut pas d'arrière-plan dans les menus à la limite. En vrai il est addictif, ouais bah c'est le genre de ces jeux-là. Hein. Tu regardes Supermarket Simulator, tous ces trucs-là c'est pareil. Le flou cinétique il m'a pas gêné là. Donc on va laisser comme ça. Bien évidemment, les assistances on ne prend rien. Moi, mes milliers, parce qu'il n'y en a pas qu'un millier qui est sur Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi, sur tous les Budokai, tout ça, j'en ai pas besoin. Honnêtement, ça va le faire. Et bah écoutez, on est plutôt bon, on va pouvoir lancer notre découverte. J'ai envie de pleurer. Est-ce qu'on se fait pas avant l'invocation Shenron? On peut se faire ça. Je sais plus c'est où par contre. Bon, désolé, je dois y aller, l'ami. Demain, debout à 6h30, ça marche. Merci beaucoup pour ton raid. Merci beaucoup. Bonne nuit et bon courage pour toi demain. Bon courage. N'hésite pas à passer quand tu te lèves, Rock, je serai encore en live. Hein. Des bisous en tout cas, mec. Repose-toi bien. Allez, on va invoquer Super Shenron du coup, parce que c'est le DLC de l'Ultimate Edition. On va voir ce que c'est d'ailleurs. Donc c'est Super Shenron ça. Je veux plus... Alors on peut déjà calcer les couilles avec plus de personnages. Je veux que tu augmentes mon niveau de joueur, on s'en branle de ça. Je veux de nouvelles tenues. Ah putain ça. Ah putain. Il va falloir les farmer de toute façon. Je veux des objets de capacité, je veux plus de titres, on s'en fout aussi. Alors c'est soit plus de personnages ou plus de tenues, hein, je vous le dis direct. Écoutez, on va prendre les personnages. On peut avoir Goku Black, Zamasu fusionné. N'importe. Donc, je pense que Super Shenron, donc de Dragon Ball Super, va nous donner des persos de Dragon Ball Super. Et je pense que les autres vont nous donner les personnages de Dragon Ball Z. Donc on a eu Goku Black en nouveau perso. Parfait. Et puis après, du coup, il va falloir les récupérer pour pouvoir invoquer. C'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Mon âme d'enfant est comblée pour l'instant. Donc, épisode de combat. Donc je crois que c'est le mode histoire. Nouvelle partie. Introduction personnage. Le menu est trop trop bien. Vraiment. Un guerrier constamment à la recherche de nouveaux adversaires, toujours plus puissants, qui terrasse ses ennemis les uns après les autres, grâce à son esprit combatif et sa force inégalée. Après avoir contrecarré les ambitions de domination du monde de Piccolo, Goku reprend une vie calme et paisible. Mais un beau jour, l'arrivée d'un mystérieux individu vient tout chambouler. Raditz, un homme qui prétend être le frère aîné de Son Goku, arrive sur Terre et révèle à Goku qu'il est un Saiyan qui avait été envoyé sur cette planète pour éradiquer l'humanité. Il demande ensuite à Son Goku d'unir ses forces avec lui pour mener à bien ce plan. Cependant, et donc là nous avons l'aventure de Son Goku. Donc au travers de ses yeux, nous allons vivre ce que Goku a vécu, donc on va voir toute l'histoire de Dragon Ball, plus ou moins. Et donc après, on va pouvoir changer de personnage et avoir Gohan, si je me trompe pas, peut-être Piccolo, Vegeta bien évidemment. Et je crois qu'il y a 6 personnages, 5 ou 6 personnages, où on va pouvoir faire l'histoire de ce personnage-là.
Donc de son point de vue à eux, de leur pensée, de ce qu'ils pensent et tout, ça va être un petit peu foufou. Voilà. Donc on peut choisir la difficulté. On est en quoi ? La difficulté de combat a été baissée, pardon. Les conditions d'achèvement secondaire ne peuvent être remplies avec la réduction de difficulté activée. Merci de noter que le changement de difficulté s'applique... Oui, oui, d'accord. La difficulté de combat a été rétablie par défaut. Les conditions nanana peuvent être désormais remplies. Merci de noter que le changement de difficulté s'applique à tous les combats d'épisode. Ok. On peut pas le mettre en difficile ? Oh non ! Oh, je suis deg. Bon, bah on le met en mode normal. C'est pas grave. Donc on aura des objectifs secondaires. Allez, c'est parti ! Kiffons notre vie ! C'est beau. Déjà, il est très beau le jeu. Regardez-moi ça. Oh, Krilin, Gohan, Bulma. Oh là 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 là. Et du coup, notre premier combat direct ? C'est notre premier combat! Allez, viens la Raditz! Ok. J'essaye de regarder un petit peu. On dose. Allez, hop. On peut déjà claquer un ultime. J'ai envie de pleurer! Regardez-moi ça! Allez, c'est parti! Et normalement... On va esquiver! Ah non, c'est pas une attaque, ok. C'est trop bien! La vie de ma mère! Oh, il contre! Reviens! Oh, la jouissance ultime! Wow, il a contré. Bien joué ça. Allez, on va faire une petite attaque là. Il fallait pas le buter. Bon, on aurait pu le buter, mais là, on a rempli l'objectif. C'est ok. Kakarotto.子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。 Son Goku n'est pas de taille face à la puissance accablante de Raditz qui parvient à kidnapper Son Gohan. Cependant,
Des retrouvailles inattendues l'attendent. Piccolo ! Oh là 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 ! おめえ、どうしてここに？やつの後をつけてきたのだ。その二人と言ってもやつは倒せん。だが、俺と貴様が組めば、倒せる可能性が少しはある。確かに。しかし、おめえが言って、どういう風の吹き回しだ？勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら。ん？Oh! On peut avoir la... Comment ça, déplacer la caméra? Ah oui, ok. Oh là là, c'est trop stylé. Mochiron, sono ato wa kisama o buchi taoshite. Kondo koso sekai o kono te ni itadaku tsumuri da. Alors du coup, on a... Voilà. Grosse nouveauté... Nouveauté. Pardon. Sur ce jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des choix. Et les choix vont influer sur notre... sur l'histoire. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les choix de l'histoire de base, parce que c'est ce que je veux faire. J'ai pas envie. Les histoires alternatives, on refera peut-être un let's play ou quoi avec les histoires alternatives pour voir les changements, tout ça. Moi, de toute façon, ça va pas me déranger de refaire le jeu une quinzaine de fois. Donc, ça sera sans problème un plaisir que de vous proposer, du coup, la version alternative avec les choix différents. Donc là, on va choisir de collaborer avec Piccolo. Donc, je crois bien que tu as raison à propos du fait qu'on doit collaborer. Aussi dingue que ça puisse paraître. Et donc, on lui dit ça et on suit l'histoire de base. Oh, le Kintoon ! Oh, c'est ouf, c'est trop bien. Oh, les transitions, j'aime beaucoup. Raditz séquestre le jeune Sangohan dans une nacelle spatiale. Son Goku compte l'attaquer par surprise, mais Raditz le repère en utilisant son détecteur. Son Goku doit désormais affronter Raditz. Kakaroto. Kisama mo usukoshi atama ga kireru to omotte ita no da ga na. Mino hodo shirazu to wa kono koto da. Gocha gocha iiau no wa sore gurai ni shite oku nda na. カカロットよ。貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。トララララ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。Par contre, pourquoi il serre les dents à chaque fois? Il a la diarrhée? Ok, deuxième combat. Attention, c'est parti, les amis. いいことを教えておいてやろう。俺の中に生き残った二人のサイヤ人は、さらに戦闘力が上なんだ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。Il veut pas que je l'approche. Ok, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Smash météor. C'est beau. Oh. 17 ans. 17 putain d'années. Et attention, on va faire un petit Kamehameha là. Ouah, il l'a renvoyé. Il peut faire ça. Oh. Bâtard. Je peux pas l'attaquer, en fait je peux pas l'attaquer de... Waouh. Ok.
だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間、やつと一人で戦う。OK, faut que je me recule parce que je peux pas l'attaquer. Je peux pas lui renvoyer, si normalement il y a moyen. Je pense qu'il faut que je perfecte Paris ou un truc du genre. Ok. On va essayer l'ultime, attention. Oh, peut-être un combat de rayon qui s'annonce. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Il fallait que je mette au bout de la jauge au bon moment. Oh putain, par contre, attendez. Ok. Quoi, il fallait que je... C'est bon, j'ai gagné. Il fallait que je survive. On aurait pu l'avoir. Mission accomplie. Effectuer une charge de ki 10 fois, infliger 50 000 points de dégâts en un combat, maîtrise de Piccolo augmentée. Parfait. Chine, Kakaroto. Nani? Sentouryoku 1307? 1307? まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな。すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様！ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か！おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな。覚悟はいいか？あれ？待て！魔眼光殺法！この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソトリーだ、だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人が、ここにやってくるな。いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。Oh là 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 là. Hello Payne, comment vas-tu? Dis-moi, question existentielle, t'es sur PC pour Play? Alors là, on est actuellement sur PS5, mais sur PC, moi, le jeu est aussi téléchargé. Donc, je l'ai sur les deux plateformes. Donc, le jeu est... je l'ai sur les deux plateformes. Voilà. Ayant enfin terminé son entraînement sur la planète de Kaio, Goku est ressuscité par les Dragon Ball et retourne une fois de plus sur le champ de bataille.
Alors il faut pas hésiter à, comment dire, peut-être relancer ton Steam. Mais moi il a été disponible, il était disponible dès minuit en relançant Steam. Ah non, les autres guerriers sont terrassés par ces Saiyans à la force colossale. Et alors que tout espoir semble perdu, Son Goku arrive sur les lieux. Bakana nakama domo ga shinjimatte shokku ka? Soiya mo ippiki barabara ni natta chibi mo ita kke na. Piccolo. Nanda sono tsura wa? Qui n'ira n'est-ce pas? Sonna ni assari to koroshite hoshii no ka? Yurusanzo! Yurusanzo! Kisama da! Allez, et là c'est parti pour le deuxième combat. C'est good, je suis deg! Ah merde! Vegito! Enfin, j'ai l'habitude de, du coup, de pas de faire les paris parce que on a. C'est les paris de. Comment dire, de FF. Du coup, j'appuie sur R1 au lieu de rond. Allez, bon, et là on connaît, c'est bon, c'est parti. On a le Kaioken! Tu t'approches pas de moi, gros. Hey, qu'est-ce que tu veux? Tiens, gars. Oh, bien ça, propre. Hey, je suis derrière toi, mon gars. Allez, on le colle. Voilà. Je veux le faire. Attends, Kaioken! Attention, c'est parti! Non, non, il tombe! Comment ça, mon ref? Non! On refait! C'est parti! Merci, passe un bon live, merci, à toi aussi! Bon jeu, amuse-toi bien! Alors, attention, c'est parti! Je veux mon attaque Kaioken! Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais en fait. Oh, c'est chiant! Ok. On refait. Je l'aurai! Ça y est! On l'a! Dinguerie! C'est la dinguerie! Bien joué ça. Comment ça? Ok, c'est pas grave. Attention, il m'a vénère. Oh le poulet! Oh le poulet! Je suis choqué, hein. C'est trop trop bien. Nani o Vegeta! Ugokenai Saiyajin nado hitsuyou nai! Shine! Nante yatsu da? Jibun no nakama made しちまいやがった。2人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。だって、あいつはすごすぎるんだよ。かえって悟空が気を使って邪魔になるだけなんだ。すまねえな。あいつの強さ、思ってた以上見てなんだ。
Vegeta devient fou de rage en observant Nappa se faire corriger par Goku. Incapable de contrôler sa colère, il assassine son camarade. Ressentant le danger imminent, Goku ordonne à Krillin et Sangohan de retourner immédiatement à Kame House. Puis, comme le lui avait demandé Krillin, il déplace le combat vers un autre endroit. Et oui, parce qu'il y a encore le corps de tous les amis. Sangoku choisit un endroit vierge d'habitants et d'animaux pour défier Vegeta en combat singulier. Et là, attention! Regardez les positions! Ça va être incroyable! Naruhodo, koko o kisama no hakaba ni eranda wake ka. Yorokobu ga ii. Kisama no yō na kakyū senshi ga chō elite ni asonde moraeru nda kara na. Saiyajin wa umarete sugu senshi no soshitsu o kensa sareru. Sono toki no suuchi ga hikui kuzu yarou ga kisama no yō ni taishita teki no inai hoshi e okuri komareru no da. Yōu suru ni kisama wa ochikobore da. Sono okage de ora kono chikyū ni koreta nda. Kansha shinakya na. Sore ni yō Oh non, on le voit pas la position. Oh, je suis dégoûté. Non, j'ai pas réussi. Oh, la voix. Regardez, et puis là, normalement, ouais, il y a ça. Oh, bien joué ça. Oh la dinguerie. Oh, ils m'ont retrouvé. C'est bon, ça, j'adore. Oh, mets-moi la max, Vegeta. Mets-moi la max. Ok, ok, c'est parti, mon kiki. Oh, bien joué, ça. Oh la dinguerie! Ok, 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 tu veux jouer à ça? Viens là! Vegeta! Oh bâtard! Non! J'ai pas pu! Comment tu ressens l'IA ou au moins le niveau de difficulté? Pour l'instant, ça va en soi. Après, j'ai. Je connais bien le gameplay donc parce que. On a remis le. Comme j'ai remis le gameplay un petit peu de ce qu'on avait pu avoir. Comment dire? Ce qu'on avait pu avoir dans les Budokai Tenkaichi. Du coup, ça va pour l'instant, on va voir après, hein, mais. Mais pour l'instant, ça va. Par contre, on prend rush. Hein. Parce que t'as beau faire, mais la rapidité est autre quand même que ce qu'on avait dans. Ah, il m'a eu! Est-ce que c'était prévu par le jeu? Parce qu'il avait beaucoup plus de PV que nous. Ou alors il fallait survivre. Mission accomplie. Je sais pas. Mission accomplie, réussir des contre Z 5 fois. Est-ce que c'est une victoire ou pas? Je ne sais pas. Mais non, le niveau de difficulté, bah là du coup ça va. On l'a mis en mode normal parce qu'en fait il y a deux modes, normal ou facile. On est en normal. Sans assistance parce qu'il y a des aides aussi pour les combats, tout ça. On a tout enlevé. On est vraiment sans aucune assistance. Donc pour l'instant, moi ça me plaît beaucoup. C'est très très rapide des fois pour certains trucs. C'est trop bien. Et du coup on a réussi. Donc on devait perdre le combat. Après, vu les tartasses qu'il nous a mis, il n'y a aucune attaque qui est passée. Il nous a tout contré. Mais bon. Son Goku tombe sous l'attaque de Vegeta.
Tous les autres guerriers de la Terre ayant également été terrassés, la planète se retrouve sous le joug tyrannique de Vegeta. Comment ça? Ah non, j'ai perdu. Ah non, donc je dois vraiment gagner. Ok. Bon, c'est vrai qu'on y a été un petit peu bourrin. Ok, ok. Oh, il met des belles tartes. Hein. Ah non, il a pas plus de PV en plus. Voilà, là, c'est bon, on va se réveiller un petit peu. Hein? C'est trop trop bien, regardez-moi ça, profitez. Profitez, profitez. Du poulet. On l'a touché, normalement ça devrait passer. Bâtard, il a esquivé. Il est chaud, il est chaud. C'est trop trop bien. Regardez ça. Putain, il nous a contré direct. Ok, 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 ok. Putain, il renvoie le Kamehameha, c'est trop trop bien. Ouais, c'est Tiny Yuru Sanzo, ouais, tu vas voir. Oh bâtard, mais il esquive tout! Comment ça? Oui, ça passe! Faut que je le force à faire des techniques en fait. Oh, bien joué ça. Alors je parle pas beaucoup parce que... Bah je suis juste en train de kiffer ma life quoi. J'espère que vous aussi vous kiffez. Ah, j'ai pas pu là. Oh, le combat est trop 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 bien. Ah, il veut pas. Il contre hein. Vous êtes prêts? Oh, bien joué ça. Oui. C'est bien, c'est un peu, c'est difficile et tout. Il est un peu vénère, Vegeta. C'est trop trop bien, ça va être trop bien après. Non, il nous montre pas la scène, vraiment. Le combat a été extrêmement éprouvant, mais en rassemblant ses toutes dernières forces, Son Goku parvient à contrer l'attaque de Vegeta. Ils nous ont pas montré le Kamehameha. Par contre, il manque de cinématiques, je trouve, qu'on avait dans d'autres jeux, quoi. Même si Vegeta a été touché, Son Goku ressent toujours des traces de son ki qui subsistent. C'est alors que Yajirobe, putain j'ai pas eu le temps de lire. Sans surprise, Vegeta se dresse de nouveau devant Son Goku. Ce dernier pense alors que sa seule chance d'obtenir la victoire est d'utiliser le Genki-Dama. Il manque un peu de sang. Bon ça c'est dans tous les jeux, c'est dommage. Cependant, Vegeta a une technique spéciale, connue uniquement des Saiyans en réserve. C'est beau! Il est beau ce jeu! Non,
何したんだ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃない。僕戻ります。待てよ、ご飯。俺も行くよ。行くってば。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。大猿、大猿の化け物。なんだってんだ。なんだぎゃあの化け物は。軽いやじおめえ。Se retrouvant en cours d'option, Son Goku décide d'utiliser la technique que Kaio lui avait apprise. Et là, du coup, combat ? Combat ? Waouh ! Ok. On a eu très chaud. Putain, il m'a touché quand même. Je me trompe, hein. J'appuie toujours sur R1 pour me protéger. J'ai encore les restes de Final Fantasy et tout, c'est terrible. Hein. Est-ce que ça passe un Kaioken? Je pense pas, c'est un... Ouais voilà, je suis repoussé forcément. Trop bien. Ouais, il se remet vite. Hein. Ok. Non, je faisais mon Kamehameha. Non, j'ai perdu. Il fait des dégâts en plus. Ok. Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir utiliser le Taioken du coup. Ok, on a perdu. Du coup, on va avoir une cinématique. Dire, oh, le joue de Vegeta ou quoi. Ouais, ok. Donc, ils remettent la même cinématique. Ok. Je comprends. Allez, on réessaye du coup. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Voilà, déjà là. Ouais, il se remet direct. Waouh. Le jeu est beaucoup plus rapide. J'ai un peu du mal, hein, vraiment. Parce que là, en termes de rapidité... Ok, j'ai compris. Ça me laisse pas respirer. Waouh, on a perdu. Mais il fait tellement de dégâts. Ok. Pourquoi il m'a pas lancé l'ultime là? Je sais pas trop pourquoi. On va réessayer. Réduire la difficulté. Mais il est malade lui. C'est bien qu'il propose quand même pour ceux qui galèrent, mais non, j'en ai pas vu. Malade. Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Voilà, ça nous repousse. On a le temps. On se charge. Oh, il nous touche quand même. Oh,
勝ち目なさそうだ。死んじゃって、この家にまた行ったらさ。Je le touche pas。謝りに行くよ。Ok, ok, il va pas me casser les couilles, lui, hein. Oh, bâtard! Non, il m'a chopé! Il m'a fait la chope! Non. J'ai appuyé en même temps pour faire le kamehameha. Sauf que moi je dois charger un peu. Je lâche. J'ai rien compris de... Je sais pas pourquoi. Normalement on est censé tourner. C'est quoi ça? Comment ça se fait là? Vite, faut que je récupère. Non. Ok, 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 ok. Non, toujours pas. Bâtard. Non. Ok, on est esquivé. Tu m'auras pas, mec. Putain, je le touche pas, en fait, j'arrive pas à le reprendre. À faire l'attaque suivie. Il veut pas. Hein. Non, il me touche là. Il lui reste plus de PV. Putain, c'est très très chaud. Ça va super vite. Hein. Limite, ça se TP et tout. C'est trop trop bien. Allez, on recommence. Je m'en fous. On ne changera pas de difficulté. On va la faire comme ça, quoi. À la dure. Comme avant. Avant, on était en mode difficile direct. On se protège direct. Ok. Attention. Donc là c'est les dégâts. Combien je lui mets? Une barre complète, c'est bien. Ok. Oh, il contre, hein. Non. Ok, protégé, c'est bon. C'est une blague? Protection, on se protège. Ça n'a pas marché, je me suis trompé, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Bien joué ça. Vite, 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 vite. Non, c'est une blague. Oh, je le fais avant, ça touche. Tu veux le refaire? Allez. Il se protège. Bien joué ça. Encore? Allez. Encore? Merde, j'ai pas eu le temps.
ça y est, on l'a eu. Genki dama dasu tame ni seishin shuchu suru hima mo ne. Tatta 10 byo dake de ii nda. Shuchu suru jikan ga hoshii. Il est énervé le jeu, c'est trop trop bien. Tenue de Sangoku Z, début. Il est très très dynamique. Hein. Faut vraiment être au taquet. Hein. C'est pas pareil que Budokai Tenkaichi 3. C'est normal. Hein. Il y a 17 ans d'écart. Hein. Pour gagner le temps dont il a besoin, Sangoku utilise la morsure du soleil sur le gorille géant qui se dresse devant lui. Goku en profite pour alors s'éloigner le plus loin possible. Il rassemble un peu de ki chez toutes les créatures vivant sur Terre pour une dernière lueur d'espoir de renverser la situation. C'est trop bien avec le point de vue de Goku comme ça. たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。イタチの最後ってやつだ。これで俺には鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。 せいぜい苦しんで死ね。今ので随分骨が折れたようだな。痛いか？え？何か嫌がるな。どこだ？ Yajirobe, qui attendait le moment opportun pour attaquer, bondit soudainement et tranche la queue de Vegeta gorille géant. Vegeta retrouve sa forme normale, cependant Son Goku est toujours incapable de se battre. Et ni Krillin, ni Son Gohan n'ont la moindre chance, même contre un Vegeta affaibli. Appelant Krillin à ses côtés, Son Goku lui confie le Genki Dama. Il n'a plus qu'à attendre une ouverture pour le lancer. Les musiques sont cool. Vegeta survit au Genki Dama. Le regard attiré par la lune artificielle de Vegeta, Son Gohan se transforme en gorille géant
et coince ce dernier. À la demande de Goku, hein, je le rappelle. Krillin est sur le point d'achever Vegeta une bonne fois pour toutes, quand Goku l'en empêche, lui demandant de le laisser partir. Ayant échappé à la mort sur le fil, Vegeta quitte ensuite la Terre. Après avoir eu vent de l'existence de la planète Namek, Krillin, Gohan et Bulma croient savoir qu'elle détient un nouveau type de Dragon Ball. Puisque Son Goku a besoin de plus de temps pour récupérer, le trio s'envole sans lui pour Namek. Alors il a besoin de plus de temps parce qu'il n'y a pas encore les Senzu. Ils n'ont pas encore poussé. Il n'y en avait plus à ce moment-là. Et du coup, personnage débloqué Yajirobe, combat personnalisé, clip 2D, galerie, saga, Son Goku, arc Saiyan. Et on a eu 6000 Zeni. Et là du coup, nous arrivons à la planète Namek. Qu'est-ce que c'est, saga de Son Goku? Qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces trucs-là, c'est quoi? Ok. Récapitulatif, changer la difficulté. Je sais pas tout ce que c'est ça. Arc Planète Namek, c'est l'intégralité ça du coup? Ou c'est l'embranchement? Parce qu'il y a des choses avant là. Ah mais je peux pas aller dessus. Ok. Ah mais ça, ça va être les embranchements pour Gohan et Krillin. Parce qu'ils sont arrivés avant nous. Ok, je comprends mieux. D'accord. Eh ben, YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode t'a plu. Ce premier épisode, parce que bien évidemment, tu le sais bien, on va faire l'intégralité du jeu. Ça va être très très fou. Dis-moi ce que t'en as pensé, n'hésite pas. Le pouce bleu, le partage, le commentaire. Voilà, n'hésite surtout pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout pour Dragon Ball. Bon, voilà, ma licence de cœur... Voilà, Dragon Ball, c'est la vie. N'hésite surtout pas. Enfin bref, moi je te fais des gros bisous. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao !